Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratévie. Aujourd'hui, on va un petit peu voir comment être concentré, travailler de manière concentrée sans jamais s'épuiser grâce à ce concept, ce principe qui est le clean focus, clean cut, tout simplement. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Cet article, comme ça je ne me trompe pas dans le nom, est inspiré d'un article de Simon qui est l'auteur du blog everlab.com, lui-même qui s'est inspiré d'un podcast de Tim Ferriss. Voilà, comme ça tout le monde a ses sources, savoir d'où ça vient. J'ai beaucoup aimé cet article et c'est pour ça que je reprends quelques éléments pour te les repartager aujourd'hui, notamment ce concept de clean focus, clean cut, voilà, tout simplement. Ça disait quoi? Ça disait que LeBron James, un joueur de basket, quand il est sur le terrain, etc., ben, il est à fond focus, il est à fond concentré sur ses tirs, comment tirer, sur sa façon de jouer, etc. Et forcément, tout ce qui est à côté, ben, ça ne sert à rien. Quand il est dans le basket, il est dans le basket, c'est tout. Hors de question, quand un journaliste vient lui faire genre, je peux poser une question en plein milieu de l'entraînement, etc. Non, l'entraînement, il est dans son truc, il joue, il fait son sport, c'est tout. Ça s'arrête là. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on peut résumer par le clean focus. C'est un petit peu ce que je pouvais te dire hier dans la vidéo sur la concentration. C'est vraiment le moment où tu es concentré, où tu fais les choses à fond, où tu te laisses distraire par rien du tout. T'es vraiment, et du coup, ça conduit vers une super productivité, vers une super performance dans ce que tu fais à cet instant-là. Et à l'inverse, bah, LeBron James dit aussi que si pendant toute sa journée, il a cet entraînement, il est à fond dans le sport, etc., eh ben, le soir, parfois, il a des nuits de 10 heures pour se reposer parce que voilà, il fait une activité physique très intense, il se concentre très fort et il se met à fond sur le sport quand c'est la journée. Mais bon, après, il a peut-être un super moment de repos, entre guillemets, pour rattraper un petit peu ça, pour son repos physique, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le clean cut. Et le clean cut, c'est justement cette phase de méga repos après cette phase de méga concentration. Et si tu fais une activité, toi, plus type business, plus comme moi, quoi, business, internet, ou sur YouTube, ou n'importe quoi, etc., bah, tu te dis, c'est plutôt intellectuel, moi, je ne vais pas reposer mon physique. Bah, ça marche aussi également pour ça. Tu peux te dire que quand tu fais une pause, pour rattraper ta concentration, ton temps de midi, bah, plutôt que de se dire, je vais parler avec une personne de mon business en disant, genre, c'est une pause, ou je vais aller voir mes mails, ou ça reste toujours dans ton business, il bah, faut vraiment que tu te décroches de tout ça, il faut vraiment que te sors la tête de ton business, que quand tu es dans ton business, c'est dans ton business, et quand tu es en pause, tu es en pause. Donc ce serait même l'occasion pour toi, si tu veux, de faire un jeu vidéo, de lire un roman, d'aller sur Netflix, ce genre de choses, pour justement te dire que quand tu es en pause, bah, ton cerveau a l'occasion de se relâcher, de se ressourcer, etc., pour quand il va recommencer à être focus et concentré, bah, il soit à plein potentiel. Et voilà. C'est un petit peu l'idée du clean focus, clean cut. Voilà, moi, je rends à César ce qu'il y a à César, donc c'est sur le site everlab.com, il y a un article là-dessus. Ça vient de Tim Ferriss à la base, mais l'idée de se dire que tu es super focus, super concentré quand tu fais ton business, c'est important pour toi, et que quand tu fais une pause, que ce soit à midi ou après journée ou la nuit, etc., bah, tu fasses quelque chose de totalement autre, qui travaille totalement autre chose pour mettre justement à repos et ton énergie, tout ce qui te sert justement comme outil dans ton business ou ton activité. Tu travailles beaucoup le physique, et bah, tu vas peut-être faire… À l'inverse, une activité un peu intellectuelle pour juste ne rien faire pour reposer ton physique. Et si c'est des choses super intellectuelles ou si c'est super sur l'ordi tout le temps, bah pour te reposer, tu vas juste prendre un livre ou faire du sport pour justement passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Moi aujourd'hui, par exemple, tu veux un exemple tout à fait concret, bah, j'étais fort sur l'ordi jusqu'à maintenant, il est quasiment 16 heures. J'étais fort sur l'ordi pour travailler, 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 travailler. À 15 heures, je me suis dit, genre, ouf. J'avais plus une tête comme un saut parce que j'étais concentré et j'avais fait un petit peu. J'ai lu cet article ce matin, donc je me suis dit, je vais vraiment me concentrer à fond ce matin pour voir si ça fait vraiment son effet. Bah, de 15 h à 16 h, j'ai vraiment pris une pause pour me reposer simplement mon cerveau et seulement de lire, de faire des choses totalement autres pour se reposer après repartir d'attaque pour le reste de la journée. J'espère que cette astuce t'a plu. En tout cas, si tu veux d'autres astuces, concentration, d'être focus, de gestion du temps, de productivité, tu peux t'abonner à Stratégie. On va parler de tout ça. Moi, c'est un sujet qui me passionne, notamment pour mon business, et ça peut aussi te passionner pour toi, ton business. Donc, si tu t'abonnes, nous on se voit dans une prochaine vidéo. Donc, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!